Ces élections sont capitales. Elles impactent la vie quotidienne des gens du canton, Valoris, Golfe-Juan et Antibes-Ouest. Elles vous concernent, elles nous concernent tous en matière d'environnement, d'entretien des routes, de social et de solidarité, de culture et de patrimoine. En matière d'environnement, le conseil départemental prend des mesures pour lutter contre les inondations. Il veille à la protection des espaces naturels, il valorise et entretient les parcs départementaux. Il entretient et sécurise les routes départementales et permet l'accès des trottoirs aux personnes à mobilité réduite. En matière de social et de solidarité, il décide du budget consacré au RSA et à l'APA pour lutter contre la précarité et prendre en charge la dépendance. Et il vient aussi en aide aux familles, aux personnes handicapées et aux seniors. En matière de culture, il apporte son soutien financier aux projets destinés aux collégiens et il gère les musées et les bibliothèques départementales. Je m'engage sous la bannière de VGJ parce que notre groupe citoyen est engagé depuis de nombreuses années dans la politique locale et le monde associatif, ce qui nous a permis de recenser les besoins des habitants de notre canton. Il agit dans l'intérêt de tous, sans appartenir à aucun parti politique national, et il réunit des femmes et des hommes d'horizons différents, ce qui fait notre force et notre richesse. Pour notre canton, précisément, nous sommes opposés à la déviation entre Golfe-Juan et Antibes. Je suis Michèle Bénéfice, j'ai 62 ans, je suis maman de 4 enfants, retraitée de la Mutualité sociale agricole et ancienne ambulancière. Je suis engagée dans le milieu associatif, tel que le Téléthon, le soutien scolaire, les parents d'élèves. Avec Christophe Zunino, nous sommes vos candidats sous le nom Ensemble pour Valoris Golfe-Juan Antibes 1, les 20 et 27 juin prochains pour les élections départementales. Pour ces élections, vous avez la parole, prenez-la.